Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un petit tuto sur comment faire cette caserne de pompiers. Je vais vous montrer vite fait ce que ça rend. À l'intérieur, j'ai rien aménagé du tout, juste le garage. J'ai fait un camion et deux ambulances, rien de plus. J'ai rien fait de plus. Et je vais pouvoir sortir. L'extérieur, ça donne ça. Et le petit hélico. Si j'ai rien voulu vous le faire, on essaiera de le refaire. Je me rappelle comment j'ai fait. On essaiera de le refaire. Donc je vais vous montrer sur ma map tuto. Je me suis fail. Sur ma map tuto, comment faire cette caserne. On se retrouve tout de suite. Salut, on se retrouve, ça y est, sur ma map tuto pour la caserne de pompiers. Donc on va prendre du béton blanc, du béton rouge et que je ne me trompe pas, les vitres teintées noires. Ouais, alors ce qu'on va faire, on va poser un bloc. On va monter si je me trompe pas. Attendez, je regarde les mesures. 2,8. Montée de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va laisser vide. On va continuer sur 13 blocs. On commence sur 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais on va pas faire les 13 blocs rouges. Si je me souviens bien, dans les jours calculs. Normalement, ça devrait être comme ceci. Attendez, je regarde. Ah oui, enfin, ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et ici, on va faire la porte. En fond. Ben, du coup, ce bloc-là, on va le monter de 3 et 4. On va laisser 2. On va faire 2 comme ça. Enfin, une porte quoi. Hop. 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 On laisse 1 d'espace. Et on remonte. Comme ceci. Je me trompe pas normalement. C'est comme ça. On va la continuer. Jusqu'au bout. Après, il faut détruire après. On va prendre notre béton blanc pour poser ici, que ça fasse un peu plus propre. On va mettre des vitres comme ça, tout autour. Donc là, on en a mis 4 si on ne compte pas le coin. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on remplit en dessous. Ici, on redescend comme ceci et juste à côté, comme ça. Voilà. Et le reste, je me rappelle bien comment j'ai fait. Oui, c'est comme ça. Hop, on va jusque là. Et on monte de 8 également. 8 pourquoi juste après et on casse le rouge. Voilà, comme ceci. Je ne me trompe pas. Ici on relie en laissant toujours un dessus. On fait pareil ici. Comme ceci. Alors normalement, oui, voilà, c'est comme ça que j'avais fait. Alors on augmente de 1. On n'est pas obligé d'en mettre ici en fait.
Là, on n'est pas du tout obligé non plus. Non, je crois que ça s'arrête là où on fait jusqu'au bout. On va faire jusqu'au bout. Comme ceci. Mais même tout autour. Tout simplement. Et du coup ici, on ne peut plus les mettre non plus. Voilà, comme ceci, toujours laisser un décor. En fait, il doit y avoir, ça doit faire une espèce de bordure ici. Ouais, je règle juste ça, cycle jour, nuit, jour. Voilà. Donc, on va finir les murs. Ça va assez vite, je vais le faire avec vous. Donc normalement ça va être une vidéo en deux parties. La première partie ce sera l'établissement, enfin la construction extérieure. Et la deuxième partie ça va être la construction, tout ce qui est l'aménagement, etc. Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire ce que ça, on peut le casser, ça nous gêne. C'est pas que ça nous gêne, mais c'est qu'on peut l'enlever. Alors attendez, je me rappelle plus si j'ai mis les vitres, du verre. Non, c'est du verre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est. On va prendre nos bols de verre teinté noir. Notre médaille de quartz. Et là, on va monter. Attendez, je regarde les mesures. De 5 normalement. Sans compter celui-là. 1, 2, 2, 3, 4, 5. On referme. Ce que je comprends pas, c'est sur mon. Attendez, juste un petit truc. Ah oui, c'est ça, y est, j'ai compris. J'ai compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, tout que ça fasse moins dégueulasse, on va remplir en blanc. Et on va poser du verre tout. Ah, pas tout autour, juste sur les deux façades de la tour. Voilà, comme ceci. Donc ici, bah, on referme. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que sur la partie haute du bloc de verre, on va y placer des demi-dalles tout autour. Comme ceci. En quartz parce que ça ressort blanc plus blanc que n'importe quel autre, donc je préfère mettre prendre cela et ce serait pas mal qu'ils sortent les demi-dalles de couleur. Attendez, je cherche le cycle météo, hop, dégagé, voilà. Et ici pareil, on referme. Comme ceci. J'ai essayé de me pomper jusqu'au bout. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est maintenant le plafond. Le plafond, normalement, si vous êtes bien, il devrait passer juste au-dessus des lignes rouges.
plafond du rez-de-chaussée, un étage, enfin, le sol du premier étage. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire le toit de la tour. Ici. Ça sera le devant de l'entrée en fait de la caserne tout simplement. L'entrée du personnel. Alors j'ai pas fait gaffe, mais je me suis mis dans le mauvais sens pour la construire, donc du coup je vais empiéter sur mes zones de prochain tuto. Ça va être génial. Donc je casse. Mais c'est pas grave. Donc là on finit le toit, ça va vite. Je vais juste prendre ça. Ah, attendez. Potion de vitesse. J'en prends une. Ça ira plus vite. Donc voilà, là on a terminé notre tour. La tour de droite et l'entrée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bâtiment qui est sur côté. Les pièces, la pièce principale, un peu lieu de vie des pompiers. Donc je crois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un bloc là, on va monter, je regarde que je ne me trompe pas, on va monter de 5, 1, 2, 3, 4, 5, hop, on met ça, on monte jusqu'en haut. Également, on remonte de ça. Bon, ça devrait être comme ceci. Donc, juste à côté du bloc rouge, on remonte. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Alors, attendez. Je me souviens de l'entrée. Donc, oui, voilà. Et pour l'entrée. J'ai fait un petit quack sur ma base, enfin sur ma caserne de base, mais c'est pas grave. On va essayer de rattraper ça ensemble. Parce que normalement, ceci devrait être rentré comme là. Le problème c'est qu'il faudrait que j'agrandisse un petit peu. Non, bah si vous savez quoi, on va le faire comme ça. Et ici, on va monter de 5. On va laisser 2 pour l'entrée. Et on remonte de 5. À 2 blocs au-dessus du sol, on met 2 briques rouges. Attendez, je regarde pour ne pas me tromper. Normalement, ça devrait être comme ça. J'ai l'impression de me tromper là. Petit problème. Alors, on va essayer. Je fais ça. Là, comme ça. Ouais, non. On va plutôt la faire de 3 de large à porte. Ça sera mieux comme ceci. Voilà. Donc là, on fait 3. Non, il y a toujours le problème là. C'est normal. Voilà mon problème, j'ai trouvé. Désolé. Voilà. En fait, il faut laisser 2. Ici, 3. On va faire avec le rouge.
C'est étonnant que j'ai qu'une porte de 3. Très étonnant. Comme ceci. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est comme ça. Nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un. Ici devant aussi. Et ici, on va remonter jusque là. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est bien comme ça que j'ai fait. Je me suis pas trompé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la cour. J'essaie de pas me tromper cette fois-ci. C'est quelque chose de bien. Ok, d'accord. Donc, on va faire le sol. Même si vous changez après, vous mettez en herbe. On changera après. On va faire le sol jusqu'à temps qu'il déborde de deux sur le mur là. Donc, 1, 2, comme ceci. Après, on va monter 4 blocs qu'on va tirer. Jusqu'ici, normalement. Si je ne me trompe pas. Bon, non. C'était juste à côté. Hop, comme ceci. Voilà. On va prendre nos blocs rouges. On va en mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Et c'est pareil, je me suis planté. On les met à l'intérieur. Pas une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai? Je suis paumé. Mais un petit problème parce que du coup si je fais ça là je laisse un voilà ça fait ça et le problème c'est qu'on n'aurait pas de porte et c'est à cause de ça ici parce que j'ai dû me planter quelque part. Mais écoutez je vais vérifier on se retrouve tout de suite. Ça y est, bon, j'ai trouvé mon petit bug. Donc le problème, c'est que c'est ici en fait. On va tout décaler. Là. Et là. On va casser. Et là, on décale de 1. En fait, on rajoute 1 là, ici. Comme ça. Et là aussi. Et ici. On va casser ça aussi. On fait 2 sur 6 de haut. Hop. Un petit bloc de quartz. On monte. Je vais pas y arriver. On monte nos petites fibres comme ça. On refait 2 là, comme ça. Voilà. Comme ceci. La seule partie rouge qui ne sera pas à l'intérieur, qui sera vraiment sur le bloc blanc. Ici, on passe. Ici, à l'intérieur, on va suivre le bloc rouge ici. On fait 2, on laisse 3, on en remet 2. Ici, on a un bloc blanc. Voilà, tout simplement. On monte comme ceci de 3, on tire la barre.
pour monter là. Là, ça fait notre porte. On va monter dans le temps. Là, ici, on met nos, enfin, nos vitres en verre. Et on recouvre comme ceci. Ici, on en met à chaque extrémité. Et hop, comme ceci, pas ici. Et on monte. On va s'en dépasser de 1. On retire là, comme ceci. Voilà, donc là j'ai trouvé mon petit bug. Normalement, ça devrait être ça. Et pourquoi je suis replanté là? Oh là là là, c'est pas possible. Et parce qu'en fait, ici j'ai pas mis à l'intérieur, tout simplement. Bah, si je vais vous donner un petit conseil, si vous suivez ma vidéo, surtout attendez bien que j'ai fini pour faire. Parce que là je suis en train de me planter mais en beauté. Je vais monter tout ça. Voilà. Là, on monte comme ceci. Ici, on monte aussi. Donc, du coup ici on décale de 1. Même ceci. Voilà. Donc, une fois ceci fait, il y a juste à décaler un tout petit peu la chose. Comme ceci. Ici, on casse. Il n'y a rien de grave. Ça se refait assez vite. Là on passe. Et voilà, tout simplement comme ceci. Voilà, tout simplement comme ça. Donc là du coup, on monte, on continue. Ici, on le casse. On met en rouge. Ici, on casse. Et comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, nous avons terminé. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça. Là, on va compter 1, 2. Et sur le bas du deuxième bloc, on va tirer une bande et des 2 minutes de quartz. Jusqu'à la limite ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse pour vous montrer ça. Enfin, pour pas vous montrer ça. On va pas jusqu'au bout ici. On va tirer comme ça. Tour jusqu'à là, jusqu'au blanc là, et à la hauteur aussi on fait le tour. Et on, alors pour le plafond ici c'est pas compliqué, c'est comme ça. Donc je fais une petite ellipse, on se retrouve juste après une fois ceci terminé. Donc voilà, une fois terminé, ça doit vous donner ceci comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au hangar. Donc, je récupère mon téléphone pour regarder les photos, pour ne pas me planter cette fois-ci. Bon, le hangar, je ne devrais pas me planter. Non. Donc, on va se décaler de 1. On va monter jusqu'à la même hauteur que le toit là. À l'intérieur, on va monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reprend, on compte sans compter celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Là, on monte.
les blocs de fer. En fer. Là, on est bien. Moi, je prends un petit bouton. On va faire comme ça. Une espèce de petite poignée. Ici, on prend les blocs de verre. Comme ça. On va faire pareil ici. 2, 3, 4, 5, 6. Si on continue, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je m'arrête à deux portes, mais vous répétez ça autant de fois que vous voulez faire deux portes. Ceci. On va faire au-dessus des blocs de verre. On va tirer une ligne comme ça. Et une rouge juste au-dessus. Est-ce que j'ai fait tourner? Non, ça ne fera pas tourner. Comme ça. Voilà, comme ceci. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va relier. Bâtiment comme ça. Juste pour vous montrer. De la porte, le mécanisme de la porte et tout ça, on va prendre les murs en pierre. On va tirer on va prendre ici, on va faire 2, 3, 4, 5, du coup 6 même. Le mécanisme de la porte. Ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une porte fermée, on va faire une porte ouverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ceci. Là, on va faire la porte ouverte. Donc, on va reprendre le bloc de fer. Voilà, on va faire du 5. On va faire un de 5 sur 5. Là, notre porte est ouverte. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour le mur qui est ici, ce que je vais faire, alors je prends mes blocs et là, comme ceci, voilà. Ici, ce sera le plafond du hangar à véhicule. Bon, tout simplement, je peux finir avec vous, ça sert à rien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mur qui est ici. Voilà. Je regarde que je ne me trompe pas à nouveau non plus. Normalement,
On part d'ici. Pas la terre non plus. Non, vraiment, on bloque là. 1, on fait 2, on laisse. Enfin, on part de côté, on fait 2, et normalement, il devrait rester 3. On monte sur 3 de haut. On tire une ligne blanche. On reprend nos vitres. Comme ceci, voilà, tout simplement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse pour vous, voilà, pour terminer tout ça, et on se retrouve juste après. Donc voilà, moi j'ai terminé. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ici en fait, c'est sur la façade là, la façade de derrière en fait, c'est sur la même hauteur que la façade de devant, au-dessus des portes, en fait, continuez les verts, sans mettre dans les coins, sauf le rouge que vous faites tourner. Dans le coin jusque là le rouge. On est d'accord, mais le bloc de verre s'arrête vraiment pile ici là. À la fin du bâtiment, en fait, tout simplement, je casse dans le hangar. Donc voilà, alors ce tuto est presque terminé. Donc moi j'ai fait que deux portes, mais vous pouvez en faire 4, 5, 6, comme bon vous semble. C'est vous qui voyez. Moi, j'en ai fait que deux, voilà, parce que ça va faire plus. Il faut faire une ouverte et une fermée, tout simplement. Et comme vous avez vu sur ma map, moi j'en ai fait 4. Il faut en faire 3, vous pouvez en faire que une. C'est vous qui voyez. Mais vous répétez les mêmes opérations à chaque fois, en fait, que sur les portes là. Autant de fois que vous faites deux portes, tout simplement. Donc, on va terminer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les barres en pierre et les barreaux de fer, on va faire les petites antennes de la tour radio. Donc, vous mettez où vous voulez. Hein. On va en faire que deux par exemple. Là ici, on va monter le 3. On va faire partir sur les côtés. Là, on va la faire monter. Simplement. Assez haute, qu'on la voit. Mais ce que je vais faire aussi, bon, je sais pas s'il y en a sur les chez les pompiers. Sans que, mais j'en suis pas sûr. Un bloc au hasard. On va mettre ici et hop. On va tourner tout autour. Je sais qu'il y en a sur les porte-avions, sur les bateaux militaires. Les espèces de boules qui font radio, permettent de capter, des trucs comme ça. Des espèces de petites boules. Bon, je la fais comme ça parce que je vois pas comment la faire d'autre autrement. Donc là, voilà, on a terminé notre petite caserne de pompiers. Je pense faire la déco, mais pas sur celle-ci, sur l'autre dans ma map, vu que je n'ai pas encore décoré. La semaine prochaine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager.